Yo la Typica, j'espère que vous allez bien les potes. En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un unboxing des colis Wish que j'avais commandé la dernière fois sur les objets illégaux, rappelez-vous. Et ça y est, j'ai enfin reçu tous les produits. J'ai reçu un produit, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 produits. Ils sont tous arrivés, ça fait super plaisir. Il y en a des gros, des petits, des lourds, des maigres. Et donc aujourd'hui on va découvrir ce qu'on avait commandé. Rappelez-vous, on avait commandé des armes, on avait commandé des couteaux, on avait commandé je sais plus trop quoi, il y avait tellement de trucs ouf à l'intérieur. Aujourd'hui ça va être un unboxing super cool. En tout cas les potes, merci pour la dernière vidéo Wish. Vous avez bombardé la barre des likes. Je vous avais dit que si jamais les vidéos Wish vous plaisaient, vous me bombardez cette barre des likes et j'en referai. Et donc vous m'avez bombardé cette barre de likes et aujourd'hui on ouvre tout ça. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire qu'est-ce qu'on pourrait commander sur Wish, je sais pas, des trucs what the fuck, et je prendrai un commentaire et on fera une vidéo dessus. Donc c'est parti, on va ouvrir tous ces colis. C'est parti, let's go baby. Du coup, il y a beaucoup de colis les amis, il y en a des gros, des moyens, des petits. Alissa, pour toi, par lequel on commence? Directement par le gros? Oui. Comme c'est celui que t'as choisi, bah c'est celui qu'on ouvrira en dernier. Voilà, tout simplement. Du coup, lequel on ouvre parmi ceux-là qui sont ici? Le triangle. Du coup, ce colis-là, les potes, là, je pense que c'est peut-être une batte, la batte qu'on avait commandée. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez que c'est. C'est long, ou peut-être c'est le taser, je sais pas. Peut-être j'hésite entre la batte télescopique ou le taser. On va l'ouvrir et c'est, attention, attention, attention. Oh, ça a batté ça pique. Dans une petite pochette en plus. Oh, par contre elle est en plastique. C'est de la merde ça. C'est de la merde. Ouais ça marche. En plastique. Où c'est qu'on avait une boîte télescopique en plastique quoi. Objet suivant. Pour le prochain objet, qu'est-ce qu'on prend? Lequel on prend? Lequel te donne envie? Celui-là? Alors celui-là. Ah, je crois savoir ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Non. Bah moi oui. Les gars, regardez comment c'est. C'est comme ça. Un badge? Un badge? Non, pas du tout. C'est pas du tout un badge. Je suis enrhumé. Les gars, mettez un like si vous aussi vous êtes enrhumés comme moi. Parce que là, moi j'en peux plus. Moi tous les jours, je suis en train de me moucher. Je gaspille du papier, des arbres sont coupés. Tout ça parce que je suis malade. Ouais, c'est super triste. Bon, est-ce qu'on va pas mourir en ouvrant ce colis? C'est ce qu'on va voir. Attention, on va l'ouvrir. Allez, c'est un petit avis. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Je sais même pas ce que t'as commandé. Ouais, c'est bien. Ça prouve que tu regardes mes vidéos. C'est génial. Génial, les gars. J'ai une femme, elle est géniale. Ah, il est beau, il est beau. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Je sais pas moi. Ça sert à frapper. Laisse-moi, je mets ma main dedans, je touche. Non, tu vas savoir sinon. Non, sinon. Non, je ferme les yeux comme ça. Vas-y. Alors? Ah, c'est le d'ordre GTA, le chose là. Le point américain? Oui. Eh ben, c'est exactement les gars, le point américain. Regardez, c'est la première fois qu'on a un comme il est beau. Hop, hop, il doit faire mal. Allez, regarde. Ouh, il a l'air d'être de qualité lui. Ouais. Oh là là. Oh, comme il doit faire mal les gars, regardez ce magnifique point américain. C'est la première fois que j'en ai un, j'en ai jamais eu. Tu veux mettre tes doigts? Ah mais c'est en métal. Bah oui c'est en métal, quand tu frappes faut que ça fasse mal. Mais si tu frappes et que tu te casses tous les doigts ça sert à rien. Bon, j'essaye. Je crois que ce point américain on l'avait eu gratuit, il coûtait vraiment pas cher. Du coup c'est cool, écoutez on va pouvoir frapper les murs. Non il fait mal les gars, faites gaffe maintenant j'ai un point américain chez moi, ça rigole plus. Franchement il est super beau et du coup le point américain les gars, j'approuve. Eh ben c'est cool, on approuve. Allez ça, il reste 4 objets ici, lequel on prend? Celui-là là, le gros, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Déjà il est... C'est super mou. What? Mais j'avais rien commandé comme ça. C'est peut-être un colis d'une ancienne vidéo qui est arrivé 6 mois après. Mais non, qu'est-ce que c'est? En ouvre, t'es prête? Ouais. Parce que là je sais vraiment pas c'est quoi. C'est bleu. Attends, ils disent qu'il faut pas le mettre sur la tête sinon on peut s'étouffer. What the fuck. T'es prête? Ouais. Alors attention les gars. C'est une cagoule. Mais j'avais commandé une noire. Ah une cagoule t'avais commandé. Oui mais c'est pas une bleue. Bah peut-être qu'ils avaient pas. Attention les gars, attention, suspense. Dans 3, 2, 1. Y'a rien. What the fuck quoi les gars, j'avais commandé une cagoule, je me retrouve avec un t-shirt bleu. Je comprends pas. Il a l'air stylé. Mais par contre ça a rien à voir avec ce que j'avais commandé. Peut-être que ça pourra me servir de chiffon. Un petit chiffon ça fait plaisir pour nettoyer le sol. Pourquoi pas. Hop là. Plus que 3 objets Lisa, lequel on prend? Choix décisif. On est sur le podium. Lequel? Celui-là? Putain celui-là il est bon. Soit une deuxième batte télescopique ou c'est soit un taser. Je pense que c'est un taser. Ah vrai? Normalement ouais. Alors du coup les gars, je vous laisse écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que c'est. Hop, une boîte dans une boîte, ok, tout va bien. Oh. Oui c'est un taser. C'est un taser lampe. Non c'est une lampe. Non c'est une... C'est un... Oh. What the fuck. What the fuck. Oh tu t'es cagué. J'ai... Arrête, ça fait du bruit là. Les gars, regardez, on a reçu une lampe taser. Oh, elle fait aussi lampe. Donc les gars, regardez, on a reçu un taser qui fait en même temps petite lampe
Et quand on veut tuer quelqu'un, enfin pas tuer mais plutôt le taser, on fait... Tu veux essayer, Alissa ? Il a l'air vraiment de faire super mal. Le seul truc que j'ai peur, c'est que ça vienne de Wish. Et du coup, j'ai peur que la qualité soit vraiment merdique. Et que, je sais pas, que d'un coup, je le prends dans la main et que je vais être beaucoup plus seul. Tu vois, quand même. Non, vraiment content de ce petit taser. C'est la première fois que j'ai un taser aussi. Je crois que c'est interdit d'avoir des tasers. Achetez pas, les gars, parce que c'est super dangereux. Ça fait super mal et ça peut faire des grosses marques à la peau. C'est vraiment pas recommandé. Du coup, j'approuve le taser. Il manque plus que deux colis. Alissa, lesquels on prend ? Là, le petit. Alors, on ouvre tout ça. Oh si, si ça y est, je me rappelle, c'est les faux billets que j'avais commandé. Oh oui. What, il est tarpin beau. C'est un faux, on est d'accord, mais il est tarpin stylé. Regardez les gars comme il est tarpin beau ce billet. On dirait, non, tu sais qu'est-ce qu'on dirait? On dirait le ticket d'or dans Charlie la chocolaterie. Bah regardez comme il tue les gars ce billet de 20 €. Bien sûr c'est un faux, hein. Mais franchement il est vraiment stylé. Si tous les billets en France pourraient être comme ça, ça serait génial. J'essaierai peut-être d'aller à la boulangerie et savoir si elle peut prendre ce beau billet. Peut-être que ça n'a aucune valeur, mais c'est vraiment stylé. Le billet de 20 €, on approuve. Et du coup, il nous reste un colis avant l'énorme colis que tout le monde attend. Ça sera à la fin. Il nous reste celui-là. Celui-là, what? On va l'ouvrir. Oh, mais je crois que c'est la cagoule. Oh, j'ai reçu la cagoule aussi. Et du coup, le tricot bleu, c'est quoi? Je crois qu'il y a un colis qu'on s'est trompé. Je crois que là, il y a un problème de colis, les gars, parce qu'on a reçu un tricot bleu alors qu'on a quand même reçu notre cagoule. Regardez. On dirait une grosse chaussette. Là, c'est bon, les gars. Je suis équipé pour faire les petits braquages. Regardez-moi cette cagoule. Est-ce qu'elle m'y va? Est-ce qu'elle m'y va? Tu crois qu'elle m'y va? Moi, je pense que hop, on part comme ça. Et là, on va partir au braquage. Alors? Ça donne quoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis prêt là à faire des cambriolages? Non? J'ai pas l'air stylé? Regarde, je prends ma petite balle télescopique comme ça là et... Par contre, il fait vraiment super chaud sous cette cagoule. Je meurs de chaud. Bon ben voilà, on a notre petite cagoule, hein. On pourra pas faire de conneries avec. On fera peut-être des lives avec, des lives cagoulés. Pour pas qu'on me reconnaisse, pourquoi pas. La cagoule, j'approuve, elle est bien. Et maintenant les gars, il nous manque plus que le dernier colis. Le colis, big colis. Celui que tout le monde attend, celui que Alissa a choisi en première. Parce que c'est le colis qui intrigue tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Moi je sais ce qu'il y a, parce que je me rappelle de ce que j'avais acheté. Enfin un petit peu. Les gars, ce colis, c'est bien sûr. Attention, attention. Hop là, ta-da. Ça. En fait, c'est un objet qui permet d'écouter à 100 mètres. Genre, imagine, t'as un petit oiseau ou un avion qui passe en haut. Pourquoi tu veux écouter un oiseau? Bah, je sais pas. Mais imagine, il y a quelque chose ou quelqu'un qui parle à 100 mètres et normalement, tu vas pouvoir l'entendre. C'est génial! Et ça a coûté combien cette merde? Je sais plus. Du coup, on va l'ouvrir, on va même tester et peut-être qu'on fera une vidéo où on essayera d'entendre des gens. Ça peut être cool, ça aussi. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo que de ça ou si qu'on espionne des petits gens comme ça. Ça s'ouvre par là. Alors, on a le pistolet qui permet d'écouter et on a même un casque pour le mettre sur nos oreilles. C'est la parabole. Oh, mais vu le scotch qu'ils ont mis, c'est des malades. Hop là. On a le pistolet et on a le casque et un guide. C'est vraiment le colis que j'attendais le plus, ça. Il faut une pile comme ça. Oh non les gars, j'ai pas de pile comme ça. Regardez les piles qu'il faut, il faut des anciennes piles. Vous savez, c'est les piles que vous mettez dans les voitures télécommandées là. Putain, mais plus personne n'utilise ça. Oh non, quel dommage. Normalement ça on le met comme ça. Ça on le met ici. Ça. Et normalement là tu dois entendre ce qui se passe. Oh non, quel dommage, j'ai pas de pile, putain. Mais dommage, juste quand il y a des trucs bien les gars, on n'a pas de pile. Est-ce que j'ai une belle dégaine comme ça? Un petit peu en mode, je vais chercher les animaux. Bref, bah, du coup je pense qu'on le fera dans une prochaine vidéo, ça les amis. Si jamais vous avez envie qu'on le teste en vidéo, mais vraiment qu'on le teste, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, je compte sur vous. Vous me marquez dans les commentaires, Pika teste l'objet qui permet d'entendre le son à 10 000 km. Du coup les amis, c'est la fin de ce petit unboxing Wish des objets illégaux qu'on avait acheté. Moi franchement, mes objets préférés c'est bien sûr le taser, le billet de vin, le point américain. Et ça je sais pas, ça marche pas encore. Donc si jamais vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like qui fait plaisir, d'aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, de vous abonner juste là. En tout cas, n'oubliez pas le petit like. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace.